De grosses racines comme celle-ci, voilà ce qui pousse dans nos canalisations. Sur elles s'accroche tout un tas de détritus, comme des lingettes polluantes pour l'environnement. Seule solution pour s'en débarrasser, s'en remettre à ce robot fraiseur. On vient adapter ce moteur de fraisage sur l'avant du robot, ce qui nous permet ensuite d'éliminer toutes les racines, vraiment là où elles sont localisées, comme celle-ci qu'on a retirée cette semaine. Et ensuite, on vient poser ce qu'on appelle une manchette inox à l'endroit où la racine est sortie dans le collecteur, afin que ça ne se reproduise plus. Des manchettes posées comme des pansements pour stopper toute réapparition de racines. Quant aux autres déchets, sable et amas de pierres qui s'accumulent, il suffit de propulser de l'eau à l'aide d'un camion hydrocureur pour les éliminer. On utilise des camions qui emploient 200 bars de pression sur 300 litres minutes, ce qui nous permet de nettoyer la canalisation et d'enlever une grosse partie du gravat. Tout un travail effectué sur 750 mètres de canalisation, nécessaire pour maintenir un réseau performant et protéger le milieu naturel. Ce travail-là est vraiment à titre préventif par rapport à la protection de l'environnement et à la facilité de l'écoulement des effluents pour que le réseau joue son rôle pleinement, qui est d'amener les eaux sales, les eaux usées, vers la station de traitement, qui après ce sera rejetée dans la Vézère, mais après avoir été nettoyée. Coût total de l'opération, 60 000 euros. Un chantier préventif répété chaque année pour éviter tout débordement dans la Corrèze sur le long terme.